Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au quatrième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom Apprenez à programmer en Java. Dans ce cours, vous apprendrez l'héritage en Java. Tout cela avec Dr. Iqbal Sayahi, membre du corps professoral de l'université Midotion. Accordons maintenant la parole à Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci infiniment, Madame Malak, de m'avoir cédé la parole. Bon après-midi à tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir durant une quatrième séance de programmation Java. Je vous rappelle qu'on a vu ensemble les notions de base de la programmation orientée objet. On a vu qu'est-ce que c'est une classe, un objet, l'encapsulation, l'instanciation, les constructeurs. On a vu la notion de classe imbriquée également. On a vu ensemble aussi les modificateurs de visibilité, le public, le privé et le protégé en tant que mécanisme de sécurité offert par Java. Également, on a vu ensemble la syntaxe de base de Java, vu que, après tout, Java, c'est un langage de programmation. Donc, certainement, il a une syntaxe spécifique à lui, bien que cette syntaxe, elle est très proche et très familière. Avec les autres langages de programmation tels que le C, le C++ et autres. Donc, durant la partie syntaxe, on a vu les variables, les opérateurs, les structures conditionnelles, les structures itératives, les tableaux, les chaînes de caractères. Donc, on a fait le tour sur les différents syntaxes de base que vous êtes censé utiliser une fois vous allez programmer avec Java. Et maintenant, et à partir de cette séance-là, on va commencer à voir les notions de base de la programmation orientée objet Java et on va commencer par l'héritage en Java. En fait, l'héritage, c'est l'un des principaux ou bien l'un des principaux notions de la programmation Java. Il va nous permettre de gagner énormément en termes de complexité, en termes de minimisation du nombre de fonctions à développer, ainsi que d'attributs à déclarer et à utiliser. Également, il va nous permettre l'héritage d'avoir une application bien conçue, concise, toute l'information, elle est centralisée au niveau d'un nombre minimal de classes. Tout ça, on va le voir ensemble durant cette séance d'héritage en Java. Donc, notre objectif, c'est quoi? En fait, à partir de ce chapitre-là, nous visons à connaître la syntaxe et la sémantique de l'héritage en Java. Qu'est-ce que c'est l'héritage? À quoi il sert? Quand est-ce qu'on devra utiliser de l'héritage une fois on vise développer une application avec Java? Et puis, on va voir ensemble la syntaxe pour mettre en place l'héritage. Bien sûr, au fur et à mesure, on va essayer de faire des applications pratiques pour que les idées soient claires et pour que vous puissiez fixer les idées. Également, une fois on va mettre en place de l'héritage, on va voir ensemble comment on peut utiliser les constructeurs, les attributs et les méthodes, que ce soit des classes parentes ou bien des classes dérivées, parce que si on va parler de l'héritage, on va parler également des classes parentes et des classes dérivées ou bien des classes filles. Alors, commençons notre cours d'aujourd'hui, qui s'étale principalement sur cette partie. On va voir tout d'abord le principe, la sémantique de l'héritage, pourquoi on a besoin de l'héritage, quand est-ce qu'on pense à appliquer ou bien à mettre en place de l'héritage dans notre application. Ensuite, on va découvrir ensemble la syntaxe, comment en Java on peut dire que cette classe-là, elle hérite d'une autre classe. On va voir ensemble le mot-clé super, à quoi il sert dans le mécanisme de l'héritage. Ensuite, on va voir comment on peut accéder aux différentes propriétés héritées d'une classe. Et lorsque je parle de propriétés ici, je parle des attributs et des fonctions. On va voir comment on peut faire de l'instanciation des objets si on a de l'héritage, comment on peut construire et initialiser des objets à partir des classes parentes. Puis, on va voir la dérivation successive. Là, c'est très similaire au mécanisme de classe imbriquée. Donc, on a plusieurs dérivations, plusieurs héritages. Donc, on va voir ensemble comment on peut maîtriser ou bien gérer le cas de dérivation successive. Et on va finir ce cours-là par le modificateur final. Qu'est-ce que ça veut dire? Final, on l'a vu dans le contexte simple, il sert à déclarer des constantes. Maintenant, on va voir si on va l'utiliser dans le mécanisme de l'héritage, à quoi il sert et quel est son rôle. Donc,
On va commencer par notre première partie et je vous donne ce cas de figure-là. Supposons qu'on va développer une application qui sert à gérer les étudiants, les enseignants et les administratifs d'une école ou bien d'une université. En fait, le client qui est venu vers nous pour développer son application, il nous a dit que pour l'étudiant, il a besoin des informations suivantes. Le numéro de carte d'identité nationale que j'ai nommé ici SIN, un nom, un prénom, une moyenne. Et pour le comportement, il nous propose de développer l'application affichée et l'application calculée moyenne. Quant à l'enseignant, donc le client, il nous demande d'enregistrer comme attribut aussi son carte d'identité nationale, son nom, son prénom et son grade. Et puis, pour l'enseignant, on a besoin des deux fonctions affichée et enseignée. Pour le cadre administratif, également, on a besoin de sauvegarder son numéro de carte d'identité nationale, son nom, son prénom et son ancienneté. Et puis, pour les fonctions ou bien le comportement, il nous a demandé de programmer la fonction affichée et la fonction salaire qui permet de calculer le salaire de l'administratif en fonction de son ancienneté et en fonction du travail accompli. Donc voilà trois classes qu'on va les développer. Si on va opter vers l'approche simple qu'on a vue jusqu'à aujourd'hui, on va commencer par développer la classe étudiant, les différents attributs, le constructeur, les fonctions. On va passer ensuite à la classe enseignant. Également, on va définir les attributs, le constructeur, les fonctions et puis on va passer au cadre administratif et on va également développer dans la classe administrative les différents attributs, les constructeurs et les fonctions. Mais là, si vous allez focaliser sur ce qui existe au niveau des classes, on va remarquer qu'on a de la redondance. La redondance au niveau des attributs. Donc, si nom, prénom apparaissent dans les trois classes, donc on parle de la même information, mais on va le développer trois fois. On va développer ou bien on va déclarer l'attribut carte d'identité nationale trois fois. On va développer ou bien on va déclarer la variable ou bien l'attribut nom trois fois et on va également déclarer l'attribut prénom trois fois alors que ces attributs-là, ils veulent dire la même chose, ils vont représenter la même information. Et là, on a de la redondance au niveau des attributs. Également, au niveau des méthodes, on remarque très bien que la fonction affiche, elle existe au niveau des trois classes. Et du coup, on va dire que la fonction affiche va être développée trois fois pour faire le même truc, pour afficher les informations. Et là, on a aussi de la redondance au niveau des fonctions. Donc, on va avoir une duplication de code. On va écrire la même chose trois fois, que ce soit au niveau des fonctions ou bien au niveau des attributs qui sont redondants. Et du coup, la modification d'une méthode ou d'un attribut en commun va engendrer des modifications dans les autres méthodes ou attributs. Donc, comment on va faire face à cette situation-là, là où il y en a de la redondance du code? Et si vous vous remarquez, ici, on n'a que trois classes. Imaginez la situation si on va développer toute une application avec des centaines de classes et de la redondance dedans. Vous pouvez imaginer combien de variables on va utiliser redondantes, combien de fonctions on va la redévelopper de la même façon pour faire le même truc. Et vous pouvez imaginer en conséquent combien de mémoire et combien de processeurs on est en train de charger pour faire le même travail. Donc, la solution à ce redondance-là, c'est bien évidemment l'héritage. Donc, les yeux fermés, si vous avez des classes là où il y en a des informations qui se répètent, il fallait penser automatiquement à l'héritage. Donc, à quoi consiste l'héritage? L'héritage, il consiste à rassembler dans une classe parente ou bien dans une classe mère ou bien dans une super classe. Les trois noms sont valables pour la classe qui va englober les attributs qui sont en commun et laisser dans les classes filles ou bien les sous-classes ou bien les classes dérivées que les informations spécifiques à eux. Donc, voilà qu'est-ce que j'ai fait ici. J'ai ajouté une classe personne. Cette classe-là, c'est la classe parente, c'est la classe mère, c'est la super classe. Et dedans, je vais mettre ce qui est redondant. Donc, si je vais revenir au diapo précédent, je vois que le signe nom et prénom se répète. C'est pour ça que pour la classe personne, j'ai mentionné comme attribut signe nom prénom. Au niveau de comportement, quelle est la fonction qui se répète? C'est la fonction affichée. Et du coup, je vais revenir à la fonction, au comportement de la classe personne et je vais signaler ou bien je vais mentionner que j'ai une fonction
affiche. Donc là, dans la super classe, j'ai essayé de regrouper tout ce qui est en commun par rapport aux autres classes. Et pour les sous-classes ou bien les classes dérivées, j'ai gardé juste les informations spécifiques à eux. Donc pour l'étudiant, ce qui caractérise un étudiant, c'est l'attribut moyenne et la fonction calculée moyenne. Pour l'enseignant, la spécificité de l'enseignant, c'est son grade, ainsi que la fonction enseignée. Et pour le cadre administratif, la spécificité d'un administratif, c'est l'ancienneté. Et le comportement voulu pour cet administratif-là, c'est le salaire. Et là, on va voir que l'étudiant, à part les informations spécifiques à lui, il va hériter de la classe personne toutes les attributs et la fonction qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire, il va hériter? C'est-à-dire qu'il a l'accès à la classe personne et il peut utiliser les différents attributs et la fonction affiche. Également, l'enseignant, à part l'attribut et la fonction spécifique à lui, il a la main d'utiliser ses attributs en commun et il a la main d'utiliser la fonction affiche qui est programmée dans la classe en commun. Et finalement, aussi, l'administratif, il a le droit, à part son attribut propre à lui et sa fonction propre à lui, d'utiliser les attributs en commun et d'utiliser la fonction en commun. On dit que la classe administrative, elle hérite de la classe personne. Et de cette façon-là, on peut écrire tout ce qui est en commun de façon factorisée une seule fois. C'est vrai, on va ajouter une classe supplémentaire, mais cette classe-là, elle va nous permettre de gagner énormément en termes de complexité de code, en termes de simplicité d'utilisation et également en termes de mémoire, de variables et de processeurs utilisés. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que vous m'entendez surtout? Oui, docteur, nous pouvons vous entendre. Très bien. Donc, je vais continuer, mais si vous avez des questions ou bien des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à poser les questions, d'accord? Voilà. Donc, à quoi consiste l'héritage, en fait? L'héritage, comme on a vu tout à l'heure, c'est un concept de base de la programmation orientée objet qui va faciliter la réutilisation du code ainsi que la gestion de son évolution. Pourquoi il va nous permettre facilement de réutiliser le code et de gérer son évolution? Parce que à chaque fois où je voulais ajouter ici une classe qui a un signe et un nom et un prénom, je peux automatiquement l'allier avec la classe personne et donner à cette classe-là les caractéristiques spécifiques à elle et elle va réagir comme si on l'a développée dès le départ alors qu'on a ajouté cette classe-là après que l'application a été développée. Donc, on va facilement réutiliser la classe personne et on va facilement étendre d'autres classes qui héritent de la classe personne. Donc, grâce à l'héritage, les objets d'une classe fille peuvent accéder aux données et aux méthodes de la classe parente. Et c'est ça que ça veut dire déjà l'héritage. On va hériter des attributs et on va hériter des méthodes. Donc, on a l'accès libre à utiliser ces méthodes et à utiliser ces données. Bien sûr, les classes filles peuvent aussi redéfinir les variables et les méthodes héritées. Et on va voir ensemble pourquoi. Parce que la fonction affiche qui a été développée ici, elle sert juste à afficher le signe et le nom et le prénom. La fonction affiche au niveau de la classe personne, elle n'a pas l'accès à l'attribut moyenne. Donc, la classe étudiant, en ajoutant ou bien en héritant la fonction affiche, elle va la redéfinir. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va la redéfinir. Elle va lui donner une autre définition, un autre corps. Donc, c'est quoi la nouvelle définition apportée par la classe étudiant? C'est que la fonction affiche de la classe personne, c'est vrai, elle va nous afficher le signe, le nom, le prénom, mais également, elle devra nous afficher la moyenne. Également, la classe enseignant, elle va hériter la fonction affiche qui est principalement en train d'afficher le signe, le nom et le prénom, mais elle va lui donner une autre définition, un autre corps pour qu'elle pourra afficher le grade de l'enseignant. Et pareil aussi pour l'administratif, la fonction affichée, elle est héritée par l'administratif. Donc, la fonction affichée au niveau de l'administratif, elle va nous afficher
le signe, le nom et le prénom, mais également la classe administrative, elle devra lui donner une autre définition du corps pour qu'elle puisse afficher l'ancienneté. Donc, faites très bien attention. L'administratif, l'enseignant et l'étudiant peuvent accéder au signe, au nom, au prénom et à la fonction affiche, mais l'inverse est faux. La personne, elle ne peut pas directement afficher ou bien accéder à la fonction moyenne, à l'attribut moyenne. Elle ne peut pas accéder directement à la classe grade et elle ne peut pas accéder directement à l'attribut ancienneté. Pourquoi? Parce que personne, elle est une classe parente et pas une classe fille. Et toujours, on devra suivre la direction de flèche. Donc, les sous-classes peuvent accéder à la classe personne et elles peuvent utiliser librement ce qui existe à l'intérieur, mais l'inverse, il est faux. Donc, bien sûr, la classe fille ou bien les classes héritées ou bien les classes dérivées, ils peuvent nous donner ou bien nous redéclarer des variables. Donc, soit on va donner les mêmes variables mais avec un autre nom ou bien avec un autre type. Et on peut également redéfinir les méthodes. On pourra leur donner donc un ensemble d'arguments supplémentaires ou bien changer son corps, changer ce qui existe à l'intérieur, mais faites attention pour la redéfinition de méthodes et de variables, on ne devra pas changer le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais donner une deuxième définition à la fonction affiche au niveau de la classe étudiant, la fonction devra toujours s'appeler afficheur ou bien afficher. Je ne devrai pas changer son nom. Également, si je vais redéfinir signe, donc signe normalement pour enseignant et administratif, c'est un numéro, mais pour l'étudiant, c'est une chaîne de caractères. Donc, je peux le redéfinir ici en tant que chaîne de caractères, mais il reste toujours avec le nom signe ou bien carte d'identité nationale. Je ne devrais pas changer son nom et c'est là que ça veut dire déjà la redéfinition. Donc, bien sûr, si on va parler de l'héritage en Java, une classe parente peut avoir plusieurs classes filles. Et c'est le cas que je vous ai présenté ici. Donc, ici, la classe parente personne, elle a trois classes filles et on peut ajouter d'autres classes filles ou bien d'autres classes héritées. Mais faites attention, une classe fille devra avoir une seule classe parent ou bien une seule classe mère. Je ne peux pas avoir une classe qui a deux classes parents. Autrement dit, je ne peux pas avoir une classe qui hérite de deux côtés, qui hérite de deux classes. Non, toujours, on hérite d'une seule classe qu'on appelle une classe mère ou bien une classe parente. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en Java, on n'a pas la notion d'héritage multiple. C'est-à-dire, on ne peut pas hériter de plusieurs classes en même temps. Et celle-là, c'est une spécificité en Java. Mais pour les autres langages, tels que le C++, par exemple, on peut hériter de plusieurs classes. Bien sûr, la notion d'héritage, elle a été offerte par les développeurs de Java et ils ont déjà nous développé une classe Object. Cette classe Object, c'est une classe prête à l'emploi. Elle a été développée par les développeurs de Java. Elle contient diverses fonctions qu'on peut utiliser. Elle contient divers attributs également qu'on peut développer. Et par défaut, toute classe qu'on développe, elle hérite de la classe Object. Donc d'ailleurs, les séances dernières, lorsqu'on a développé les classes, lorsqu'on a développé cercle, rectangle, carré, point, donc ces classes-là qu'on a développées, malgré qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'héritage, automatiquement, ces classes-là héritent de la classe Object qui est déjà définie en Java. Et cette liaison a été faite automatiquement par les développeurs de Java pour nous offrir plusieurs fonctions et plusieurs attributs qu'on peut utiliser pour nous faciliter les traitements. Et du coup, tous les attributs et les méthodes appartenant à la classe Object sont accessibles à partir de n'importe quelle classe qu'on développe en Java. Donc voilà, c'est ça le principe de l'héritage. Et avant de passer à la pratique, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez compris le principe? Y a-t-il des questions là-dessus? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Entre-temps, je vais lancer le NetBeans pour que je puisse donc vous donner un exemple concret sur l'héritage. Donc, entre autres, est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, docteur, vous pouvez continuer.
Parfait, très bien. Donc, je vais revenir sur la syntaxe. En fait, pour définir de l'héritage en Java, on va utiliser le mot instance. Donc, exprès là, je l'ai écrit en rouge parce que c'est un point très important, c'est un mot très important qu'on va l'utiliser pratiquement dans toutes les applications que vous allez développer en Java. Donc, instance, ça va nous permettre d'établir un lien d'héritage entre deux classes. Donc, la classe dérivée va être écrite en premier et la classe parente va être écrite en dernier. Donc, lorsque je mets classe fille extends classe parent, c'est que la classe parente, là, elle est déjà définie en haut et elle contient tout ce qui est en commun avec les autres classes. Et la classe fille, c'est une nouvelle classe que je viens de créer. Elle hérite déjà de la classe parente et entre accolades, je devrais mettre toutes les spécificités de la classe. Donc, extends, elle permet de dire que cette classe, c'est une classe qui hérite d'une autre classe. D'accord? Donc, je vais passer à NetBeans pour que vous puissiez comprendre. Toujours, si on a de l'héritage, on devra commencer par la classe parente. Donc là, je vais commencer par la classe personne. Donc, je vais commencer à définir la classe personne. Donc, je vais fermer les projets qu'on a développés déjà. Et je vais donc créer un nouveau projet, d'accord, Java Application. Donc, je vais nommer cette classe-là, ou bien je vais nommer ce projet-là, l'héritage, d'accord. Très bien. Donc là, je vais commencer par, donc je vais laisser le main à part après pour faire les instanciations et la construction des objets. Donc, je vais commencer par la classe personne. Voilà. Donc, je vais commencer par les attributs. Donc, la classe personne, elle contient le signe, je vais supposer que c'est un entier, un nom et un prénom de type chaîne de caractère. Donc, est-ce que vous vous souvenez des différents modificateurs de visibilité qu'on a vus? Est-ce que vous pouvez me rappeler des modificateurs de visibilité qu'on a vus ensemble? On a vu le modificateur. Allez-y. Qu'est-ce qu'on a vu comme modificateur de visibilité? Donc, pour voilà. Ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Iqbal, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On a vu le modificateur de visibilité. Allez, tout le monde. Ah là 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 là. On a vu le modificateur public, n'est-ce pas? L'autre. C'est quoi l'autre modificateur de visibilité qu'on a vu? Le modificateur privé, n'est-ce pas? Et le troisième? Allez, le troisième. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Brahim, il bah, allez, tout le monde, où êtes-vous? Donc, public, privé et? Le troisième, non. C'est new. Non, new Ibrahim, c'est un mot réservé pour instancier, pour créer des objets, d'accord? Mais là, je parle du mot qu'on écrit toujours avant la déclaration d'un attribut. Et je vous ai dit que ce modificateur-là, c'est un mécanisme de sécurité offert par Java pour limiter l'utilisation des attributs. Donc, on a vu le public, on a dit que public, comme le nom l'indique, cet attribut, il est utilisé par toutes les classes ou bien par tout le monde. On a vu le privé, donc c'est un attribut un peu sécurisé. Il n'est utilisé qu'à l'intérieur de la classe. Et le troisième, c'est le pro. C'est le modificateur pro. Allez tout le monde, allez. Il aura un bonus. Qui peut déguiser ses Protected. Donc, le protected. Très bien. Donc, c'est le mot protégé. Et si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit que rappelez-vous de ce modificateur-là parce qu'on va l'utiliser
au niveau de l'héritage. Donc là, tous les attributs au sein de l'héritage devront être déclarés comme étant des attributs protégés. Pourquoi ? Parce que le protégé, il va jouer le rôle du public et privé en même temps. Comment ? Donc, entre les classes héritées, c'est-à-dire entre la classe parente et les classes dérivées, l'attribut, il est public. Ça, c'est pour faciliter l'utilisation des attributs entre les classes de la même famille, des uns. Et le protégé, il va se manifester comme étant un attribut privé à l'extérieur de l'héritage. Et là, donc, le protégé, il va nous faciliter le traitement. Donc, il a double rôle, public entre les classes liées par l'héritage et privé à l'extérieur. Donc, les yeux fermés, si vous avez de l'héritage, vous devez toujours déclarer vos attributs comme étant des attributs protégés. Donc, je vais écrire protected. Donc, très bien, Ibrahim, tu as un bonus. Donc, protected int sin. Voilà, c'est le premier attribut. Ensuite, protected string nom et protected string prénom. Je pense que ce sont les trois attributs en commun. Voilà, sin, nom, prénom. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste la fonction affichée et il me reste les constructeurs. Et c'est pareil parce que déjà, je devrais instancier des personnes et du coup, je devrais mettre en place des constructeurs. Donc, je vais commencer par le constructeur par défaut qui ne fait rien déjà. Voilà. Ensuite, le constructeur paramétré. Et là, le constructeur paramétré, il a besoin de trois arguments. Int string n et string p. Et à l'intérieur, je vais utiliser les arguments pour initialiser les attributs. Donc, this.sin égale à c, c'est le premier argument. This.non, vous voyez déjà toujours, il m'aide le NetBeans, il m'affiche des propositions. Donc, vous voyez ici le clone, le equals, le getClass, le hashCode, le notify, toutes ces fonctions-là, on ne l'a pas développé, nous, n'est-ce pas? Mais ce sont les fonctions offertes par la classe Object dont on hérite par défaut. Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on crée une classe, automatiquement, cette classe-là, elle est héritée par une classe Object déjà prête à l'emploi. Et c'est une philosophie des développeurs Java pour nous aider à faire des traitements supplémentaires de façon plus souple. Donc, toutes ces fonctions-là qui sont proposées par NetBeans, ce sont des fonctions qui appartiennent déjà à la classe Object dont on hérite par défaut. D'accord ? Donc, pour le moment, je vais initialiser le nom. Ensuite, je vais initialiser le prénom. Voilà. Donc, le prénom, il va être initialisé par P. Maintenant, je vais développer la fonction affiche. Donc, juste ici, il me manque le modificateur de visibilité. Public. Je peux même utiliser protected si on veut travailler dans les règles de l'art. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais afficher ou bien je vais utiliser la fonction affiche. Donc, la fonction affiche, elle ne retourne rien. Elle va juste nous afficher. Quelle est la fonction qui permet d'afficher? Allez! Quelle est la fonction ou bien quel est l'outil avec lequel on affiche des informations sur écran? Quel est, entre autres, le similaire de printf? Pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Voilà, déjà, Ibrahim, il est en train d'écrire. Très bien, System.out.println. Très bien, Ibrahim, tu es à la page. Très bien, je suis fière de toi. Voilà, donc c'est le system.out.println. Voilà. Donc, je vais afficher tout d'abord numéro carte nationale, par exemple. D'accord? Donc, je vais mettre un plus, c'est l'attribut sin. Ensuite, je vais copier-coller pour gagner du temps. Hein. Voilà.
Donc, maintenant, je vais afficher le nom. Et je vais mettre l'attribut nom. Et finalement, je vais afficher le prénom. Jusque-là, c'est le standard, n'est-ce pas? Jusque-là, on est en train de travailler tel qu'on a vu les séances dernières, n'est-ce pas? Maintenant, on va commencer avec la notion de l'héritage. Donc ici, je devrais fermer la classe parente parce que c'est bon, j'ai fini avec le développement de la classe parente et je vais commencer à développer les classes filles. Donc je vais commencer par la classe étudiant. Et pour dire que la classe étudiant, elle hérite de la classe parent, on va utiliser le fameux extant, n'est-ce pas? Donc, je m'excuse, voilà, la classe extant, personne. Voilà. Maintenant, on a créé une classe étudiant et cette classe-là, elle hérite de la classe personne. Donc, entre autres, la classe étudiant, elle a tout ça. Et en plus, je vais lui ajouter ce qui est spécifique à elle. Donc, c'est quoi le spécifique à elle? Donc, protected. Donc, je vais vérifier sur le cours. Donc, elle a la moyenne. Donc, la moyenne, généralement, c'est un réel. Donc, protected float moyenne. Je vais le noter comme ça pour juste gagner en termes de temps. Il n'y a pas d'autres attributs à signaler, mais je devrais mentionner les constructeurs et mentionner la fonction affiche. Donc, avant de terminer avec la classe étudiant, je vais revenir faire le cours pour voir ensemble comment je peux utiliser ce qui existe dans la classe parent. Donc, on s'est arrêté là. Voilà, donc, un exemple là. Attendez, s'il vous plaît. Non. Donc, je vais continuer avec le NetBeans, ça sera mieux hein, pour ne pas vous perturber. Donc, ici, j'ai défini la classe étudiant. Donc, la première chose à faire après les attributs, ce sont les constructeurs, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer par développer mon constructeur. Donc, public étudiant. C'est le constructeur par défaut, n'est-ce pas? Normalement, ce constructeur, il ne fait rien, n'est-ce pas? Mais ici, je vais revenir vers le cours. Pour créer l'étudiant, normalement, la création ou bien l'instanciation, elle consiste à créer dans la mémoire un objet concret là où on va mettre des valeurs dans les différents attributs, n'est-ce pas? Donc, si je vais créer l'objet étudiant à travers le constructeur, bien sûr, je devrais donner une valeur à moyenne. Je devrais donner une valeur à prénom, une valeur à nom et une valeur à signe, n'est-ce pas? C'est ça l'instanciation, n'est-ce pas? C'est le fait de donner des valeurs concrètes aux attributs. Or, ce qui est un peu bizarre dans notre cas, c'est que les attributs n'appartiennent pas à la même classe. On a la moyenne, elle appartient à la classe étudiant et on a les autres attributs, ils appartiennent à une classe extérieure qui est la classe personne. Donc là, on devra changer un peu dans le constructeur pour qu'on puisse créer l'objet concret. Donc, comment on va faire? Dans le constructeur de l'étudiant, on va donner une valeur à moyenne, mais au lieu d'accéder directement à signe et nom et prénom pour les initialiser, je vais utiliser le constructeur hérité qui est le constructeur de la classe personne. Et là, on va dire que la construction de l'objet, elle est répartie en deux parties. Donc, si je vais créer un objet de type étudiant, la création, elle est répartie en deux étapes ou bien elle est répartie en deux parties. Une partie locale qui existe au niveau de la classe elle-même parce que tous les attributs qui existent au niveau de la classe étudiant vont être initialisés dans le constructeur de la classe étudiant et une partie qui existe à l'extérieur, qui va être invoqué par le constructeur hérité. Et c'est pour ça qu'au niveau du constructeur par défaut, on devra obligatoirement appeler le constructeur par défaut de la classe personne pour que l'objet sera créé dans sa totalité. Et du coup, pour créer ou bien pour accéder à un attribut ou bien pour accéder à un constructeur ou bien à une méthode hérité, on va utiliser le mot magique super. Donc, super va nous permettre de créer ou bien d'accéder aux différents
différents attributs et fonctions déjà hérités. Et là, si vous vous remarquez, lorsque j'ai mis super, il m'a donné les différentes propositions. Donc, il m'a donné le signe parce que le signe, il est déjà hérité. Donc, je peux accéder à signe depuis la classe étudiant. Je peux également accéder au nom qui est déjà un attribut hérité. Je peux accéder à prénom parce que déjà, c'est un attribut hérité. Et je peux accéder à la fonction affichée qui est une fonction héritée. Là, il ne m'a pas donné la main pour accéder à l'attribut moyenne. Pourquoi? Parce que moyenne, c'est un attribut qui appartient à la classe en elle-même. Ce n'est pas un attribut hérité et donc je ne devrais pas utiliser le mot super pour accéder. Donc, la deuxième remarque ici, c'est qu'il ne m'a pas donné la main pour accéder au constructeur. Il n'a pas affiché l'option personne en tant que constructeur. Et c'est trivial. Pourquoi? Parce que pour accéder au constructeur par défaut, on doit écrire juste super entre parenthèses ou bien les parenthèses vides. Pourquoi? Parce que je suis en train d'appeler le constructeur par défaut de la classe personne. Donc maintenant, si je vais créer un étudiant en appelant le constructeur par défaut, donc qu'est-ce qu'il va faire ce constructeur-là? Il va commencer à créer un objet de type étudiant. Il va mettre 0 dans l'attribut moyenne parce que c'est un attribut local. Ensuite, à travers le mot « super », il va se brancher sur ce constructeur-là et il va nous créer une variable signe qui contient 0, une variable nom qui contient le nul et une variable prénom qui contient aussi le nul parce que c'est un constructeur par défaut. Et là, vous voyez comment ce constructeur-là, il nous a permis de créer un objet en deux phases. Une phase locale, c'est-à-dire l'instanciation ou bien l'initialisation de l'attribut moyenne et des locales, et puis une partie à distance, et on a accédé ou bien on a déclenché cette partie-là en utilisant le mot super. Donc super, il va se brancher sur le constructeur par défaut de la classe personne, et ce constructeur-là, à son tour, il va initialiser les attributs signe, nom et prénom de la classe parente. Maintenant, si je vais instancier ou bien créer un objet avec des valeurs réelles, dans ce cas-là, je devrais aussi développer mon constructeur, mais cette fois-ci, je vais développer le constructeur étudiant. Je vais appeler le constructeur paramétré. Donc là, comme paramètre, je devrais mentionner la moyenne. Mais également, je devrais utiliser des arguments pour le signe, nom et prénom parce que même pour le constructeur paramétré, je devrais invoquer le constructeur paramétré de la classe parente. Et dans ce cas-là, j'ai besoin de ces attributs-là au niveau de la classe fille pour que j'aurai un objet complet. Parce que si je ne vais pas utiliser ces trois arguments-là, il y aura instanciation ou bien initialisation juste de la moyenne et j'aurai des valeurs vides au niveau de la carte d'identité nationale, au niveau du nom et au niveau du prénom. Et donc, l'objet il n'est pas créé dans sa totalité. Donc, la première chose à faire, toujours les yeux fermés, je devrais appeler la partie héritée et la partie héritée va être appelée avec les paramètres C, N et P, d'accord? Et puis, je vais initialiser la partie qui me concerne et dans ce cas-là, la partie qui me concerne, c'est juste la moyenne. Et là, si je vais instancier l'étudiant en lui donnant des valeurs, ces valeurs vont remplacer les différents arguments. Donc, ce constructeur-là va être appelé par le compilateur Java. On va commencer à exécuter ce constructeur-là. La première chose à faire, c'est qu'il a appelé le constructeur qui est hérité avec les paramètres C, N et P. Donc, ces paramètres-là ou bien ces valeurs-là vont être transférées vers ce constructeur-là pour exécuter ces instructions-là. Et du coup, entre autres, on est en train d'initialiser signe, nom, prénom qui sont les attributs hérité et finalement, il va concrétiser ou bien il va initialiser l'attribut propre à moi. Est-ce que c'est clair concernant la création d'un objet qui est hérité? Est-ce que c'est clair concernant l'instanciation d'un objet hérité? Y a-t-il des questions, s'il vous plaît?
Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires? N'hésitez pour pas ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je pense que nous avons quelqu'un qui commente. Voilà, oui, récapitulez un peu sur les super. Ibrahim. Très bien. En fait, Ibrahim super, il sert à accéder à tout ce qui est irrité. D'accord? À accéder aux différents attributs, aux méthodes et aux constructeurs de la classe parente. D'accord? Donc, si je voulais accéder à un attribut qui existe dans la classe de mon parent, dans ce cas-là, je crée super point l'attribut que je voulais y accéder. Si je voulais appeler une méthode héritée depuis mon parent, j'écris super point la méthode et dans ce cas-là, il va se brancher sur la méthode héritée. Si je voulais appeler un constructeur hérité, j'écris super tout court. Super entre parenthèses les différentes informations que je voulais utiliser pour appeler le constructeur hérité. D'accord? C'est clair? Très bien. Pour les autres, n'inquiétez-vous pas, Ibrahim, on va faire des exemples là-dessus. Les autres, je continue. Très bien. Donc, je vais revenir sur NetBeat. Donc, super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur. Je continue. Je pense que vous pouvez continuer, docteur. Très bien. Ils n'ont pas de questions. Vous pouvez continuer. Parfait. Donc, pour la classe étudiant, on a défini les attributs, on a défini les constructeurs. Maintenant, on va définir la fonction affiche parce que si vous vous rappelez ici, donc la fonction affiche, elle est héritée par mon parent, mais la fonction affiche, elle va afficher juste si nom et prénom. Mais pour moi, je voulais que cette fonction affiche également la moyenne. Dans ce cas-là, je devrais la redéfinir. Je devrais lui donner un autre corps pour qu'elle puisse s'étendre et m'afficher la moyenne. Dans ce cas-là, je vais revenir. Là, je vais définir la fonction tablet afficher. Vous voyez, j'ai gardé le même nom et ça c'est exprès parce que pour la redéfinition, je ne devrai pas toucher au nom des fonctions que j'ai développées dans la partie parente. Maintenant, dans l'étudiant, qu'est-ce que je suis censée afficher? Je suis censée afficher le signe, le nom, le prénom et la moyenne, n'est-ce pas? Or, le signe, le nom et le prénom ont été déjà développés dans la partie héritée. Donc, le fait d'appeler cette version-là, automatiquement, j'aurai l'affichage des attributs qui sont hérités. Et on a dit que pour accéder à une fonction héritée, j'écris le mot super. Donc, super.afficher. Avec cette façon-là, je vais appeler la fonction afficher qui est héritée. Entre autres, je vais afficher le nom, le prénom et la carte nationale. Et pour moi, en tant qu'étudiant, je vais étendre l'affichage juste pour qu'il affiche l'attribut moyenne qui est l'attribut propre à moi. System.out.println. Et je vais ajouter que la moyenne. De l'étudiant et je vais ajouter l'attribut moyenne. Donc voilà, j'ai redéfini la fonction affiche. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste d'afficher la fonction calculer moyenne. Donc normalement, ici, il ne nous a pas donné un corps pour calculer la moyenne. Je vais faire juste un simple affichage au niveau de calculer moyenne. D'accord? Donc, public. Void. Ou bien, je vais faire juste un calcul simple de moyenne sans ajouter des attributs au niveau de la classe étudiante. D'accord? Donc, juste pour simuler la fonction. Donc, calculer moyenne. Supposons que cette fonction-là, elle admet trois notes. Float, note 1. C'est un exemple, hein? Float, note 2. Float, note 3, d'accord? Et je vais dire que la moyenne, c'est return les trois notes, la somme des trois notes sur 3. Donc,
note 1 plus 1, note 2 plus 1, note 3, le tout sur 3. Un simple exemple pour vous montrer qu'on peut développer. J'ai un problème avec les parenthèses, non? Ah, d'accord, void. Il m'a dit qu'incompatible type et il a raison. Parce que ici, je retourne un float et moi, je lui dis que cette fonction ne retourne rien. Donc, je devrais changer ce void-là par un float. Voilà, donc c'est une fonction propre à la classe étudiant. Donc, je vous rappelle, on a défini la classe personne. C'est une classe parente. La classe parente, généralement, elle se développe comme si on est dans le cas simple, c'est-à-dire on devra juste donner les attributs, les constructeurs, comme on a fait l'autre fois, ainsi que les différentes fonctions propres à elle. Juste la simple différence, c'est qu'on va utiliser protected en tant que modificateur de visibilité. Et puis, on commence le développement des classes héritées. Donc, j'ai commencé ici par la classe étudiant. Pour dire qu'elle hérite de personne, j'ai mis le mot extant. Ensuite, j'ai donné les différents attributs propres à la classe étudiant. Donc, ici, j'ai que la moyenne attribut spécifique. Donc, pour le constructeur par défaut de la classe étudiant, je devrais appeler le constructeur par défaut de la classe personne en utilisant le super. Donc, ce super-là, c'est un appel implicite au constructeur par défaut de la classe parent pour que je puisse créer un objet avec toutes les informations nécessaires. Au niveau du constructeur paramétré de la classe dérivée étudiant, je devrais appeler le constructeur paramétré de la classe parente, aussi en utilisant super, mais cette fois-ci, je vais donner les attributs, je vais donner les différentes informations ou bien les différents arguments nécessaires pour invoquer la classe personne ou bien le constructeur de la classe personne. Et puis, donc, j'ai initialisé les différents attributs de la classe étudiant. Et puis, pour la fonction affichée qui est une fonction héritée, également, j'ai appelé la fonction héritée pour que je puisse afficher les attributs qui existent dans la classe parente. Et puis, j'ai affiché moi-même les attributs propres à cette classe-là. Et puis, j'ai développé une fonction totalement indépendante de la classe personne. C'est une fonction propre à la classe étudiant. Et là, j'ai mis juste une petite formule pour vous faire montrer que je peux donc développer une classe, une méthode totalement indépendante de la classe parente. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'instanciation de l'étudiant. Donc là, si je vais créer un étudiant, je ne devrais jamais passer par la classe personne. Lorsque je vais développer une classe Laureonal Héritage, si je vais initialiser, si je vais instancier, si je vais créer des objets, je passe toujours par les objets dérivés ou bien par les classes dérivées et je n'invoque jamais la classe parente. Pourquoi? Parce que déjà, le fait de créer une classe, de créer un objet à partir d'une classe dérivée, entre autres, je suis en train de créer un objet de type personne ou bien un objet de type personne. Donc, je vais revenir là pour faire les instanciations. Donc, je vais créer un étudiant E, c'est un objet de type étudiant. Et pour cet étudiant-là, je vais invoquer le constructeur par défaut. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire cette instruction-là? Allez, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle permet ou bien quel est le rôle de cette instruction-là? Qu'est-ce que je veux dire par cette instruction-là? Je suis en train de... Alors, pour ceux qui veulent répondre à la question de Dr. Iqbal, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je suis en train de... Allez, tout le monde. Aïe. Ben, où êtes-vous? Allez, Ibrahim. Les autres. En fait, je suis en train de créer un... Eux, c'est quoi dans ce cas-là? Allez, allez. Un objet, Ibrahim. Un objet, très bien. Je suis en train d'instancier la classe étudiant. Je suis en train de créer l'objet E. Et la création de l'objet, elle passe par le constructeur. On a dit au départ de la formation que ce new-là, elle vise
à appeler le constructeur par défaut de étudiant, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce constructeur-là? Il va créer une variable moyenne et il va mettre dedans un 0. Pourquoi? Parce que je suis en train de créer un objet vide. Mais ce qui diffère ici, puisque je suis dans l'héritage, après avoir créé l'objet moyen, l'attribut moyenne et mettre dedans un 0, ce super-là, elle va me permettre de se brancher dans le constructeur par défaut de personne et il va me créer la variable signe, la variable nom et la variable prénom. Non, avec des valeurs par défaut. Et la preuve, si je vais afficher l'étudiant, j'aurai accès aux valeurs de signe, nom et prénom. Donc voilà, je vais tenter d'afficher et voir est-ce que réellement les attributs qui appartiennent à la classe parente entité instanciée ou pas. Je passe à l'exécution. Voilà, vous voyez, numéro 4. Carte nationale 0, le nom c'est le nul, le prénom c'est le nul et la moyenne c'est 0.0. Alors que moi, dans la classe étudiant, j'ai affiché juste la moyenne. Et au niveau de constructeur, j'ai mis juste l'initialisation de la moyenne. Mais puisque je suis dans le cas de l'héritage, la classe étudiant, elle a pu accéder au numéro de carte d'identité nationale, au nom et au prénom qui appartiennent déjà à la classe parente. Maintenant, si je vais créer un objet avec des valeurs réelles, je vais utiliser le constructeur paramétré, n'est-ce pas? Et le constructeur paramétré de la classe étudiant, il admet 1, 2, 3, 4. Il admet 4 arguments qui sont la moyenne, la carte d'identité nationale et le nom et le prénom. Et pour cela, je vais demander à l'utilisateur de taper ces informations depuis le clavier. Et si on va lire des données depuis le clavier, on va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser pour lire des données depuis le clavier? Vous voyez, on avance et on fait une révision en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser si on va lire des données depuis le clavier? Si l'utilisateur, il va interagir... Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question de... S'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Très bien. Scanner, très bien, Ibrahim. Parfait. Je vais vous donner une certification, Ibrahim. Donc, voilà, c'est la classe Scanner. Et on a dit que tout d'abord, à l'extérieur des classes, on devra importer la classe. Donc, import java.util.scanner. Très bien. Ensuite, on devra instancier la classe Scanner. Donc, Scanner, que je vais nommer clavier. Égal à new scanner. On va créer le buffer de données entre notre programme et le clavier. Et puisqu'on travaille sur la sortie, sur l'entrée standard qui est le clavier, on devra lui écrire en paramètre system.in, c'est-à-dire l'entrée standard de notre système. Maintenant, on va lire les données. Donc, je vais commencer par un system.out.println. Données moyennes. S'il vous plaît. Ensuite. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question. Pardon, je crois que vous avez posé une question, docteur. Non. Juste, j'ai informé l'utilisateur qu'il devra nous donner une moyenne. Donc, maintenant, je vais récupérer la moyenne. Donc, float m égale à clavier.next float, déjà, parce que la moyenne, c'est un réel. D'accord? Ensuite, clavier.nextLine pour vider le buffer entre le clavier et le programme. Ça, c'est le contenu de la séance dernière. Hein. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. D'accord? Ensuite, je vais lire le nom. Tout d'abord, je vais... lire le numéro de la carte d'identité nationale, donc numéro signe, s'il vous plaît. Maintenant, je vais lire la carte depuis le clavier. Donc ici, carte d'identité nationale, c'est un int. C'est pour ça qu'on va utiliser nextInt pour lire les données depuis le clavier. Et là, je vais mettre... int c'est
Ensuite, je vais demander, pardon, je vais demander de taper le nom, donner votre nom, s'il vous plaît. Et là, je vais lire une chaîne de caractères, donc je vais utiliser le next line et il n'y a pas pourquoi utiliser le next line encore une fois. Donc, string nom et finalement, le prénom. Donc, donnez votre prénom, s'il vous plaît. Et là, je vais lire le prénom. Maintenant, je vais appeler le constructeur paramétré de la classe étudiant. Donc, étudiant E1, le deuxième objet que je vise créer, ça s'appelle E1 égale à new étudiant. Mais là, il faut faire très bien attention à l'ordre des arguments. Donc là, il demande la moyenne, puis la carte, puis le nom, puis le prénom. Je devrais lui fournir les valeurs avec le même ordre. Donc, je vais lui donner la moyenne. Ensuite, heureusement, j'ai pris les mêmes noms hein, pour ne pas se tromper. N et P. Et je vais voir si j'ai bien créé l'objet en affichant les informations de cet étudiant-là qui a été créé. Donc, voilà, je vais afficher l'étudiant E1. Je vais passer à l'exécution et voir qu'est-ce qu'il va me donner. Donc, malheureusement, pour l'affichage, je ne peux pas agrandir... Allez, oh. Je ne peux pas agrandir l'écriture. Donc là, il m'a affiché le premier objet qui est l'objet vide. Donc, numéro de carte 0, nom nul, prénom nul, moyenne nul. Maintenant, donnez moyenne, s'il vous plaît. Je pense que vous auriez, Inch'Allah, 18 en Java. Ensuite, donnez votre numéro de carte d'identité, un entier. Je vais taper un entier quelconque. Ensuite, donnez votre nom, Herbel, par exemple. Ensuite, donnez votre prénom, Sayeri. Et voilà. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? Voilà, il m'a affiché toutes les informations nécessaires que j'ai tapées tout à l'heure. Il m'a dit numéro de carte, il m'a affiché le numéro que j'ai tapé tout à l'heure. Le nom, il m'a affiché le nom que j'ai tapé. Le prénom, il a affiché le prénom que j'ai tapé. Et finalement, il m'a affiché la moyenne que j'ai tapée tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour cet objet-là et est-ce que vous avez compris le mécanisme, comment on peut créer un objet dérivé et comment on peut accéder aux différents attributs qui sont hérités, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez bien assimilé la syntaxe et le principe? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions? Tout est clair? Je pense que tout est clair, madame, non? Vous pouvez continuer. Très bien, parfait. Donc, je vais revenir maintenant vers le cours et je vais enchaîner avec l'exemple de tout à l'heure. En fait, j'ai exprès, je n'ai pas voulu commencer par un exemple tapé sur le diapo, mais plutôt sur un exemple pratique pour que vous puissiez comprendre. Donc là, c'est un autre exemple de classe dérivée. Et cette fois-ci, j'ai choisi de vous faire montrer comment je peux créer des formes géométriques en se basant sur l'héritage. Donc, j'ai commencé par créer la classe parente. Donc, la classe parente, là, je l'ai nommée graphique. Donc, cette classe-là, elle contient deux attributs qui sont X et Y. Donc là, j'ai défini ou bien j'ai choisi privé comme étant un modificateur de visibilité exprès pour vous dire que le protégé, c'est le modificateur de visibilité conseillé pour le cas de l'héritage. Mais si je mets public ou bien privé, ce n'est pas faux, il va l'accepter. Ensuite, donc j'ai initialisé ou bien j'ai défini le constructeur paramétré de la classe graphique. Donc là, puisque j'ai deux attributs X et Y, donc l'attribut ou bien le constructeur paramétré, il admet deux arguments qui sont X et Y. Et à l'intérieur, j'ai initialisé les différents attributs que j'ai mentionnés au départ. Ensuite,
j'ai affiché ou bien j'ai donné le corps de la fonction affiche. Donc, affiche, elle va juste m'afficher x et y, donc à l'intérieur de System.out.println.jme que le centre de l'objet se trouve dans x et y, et j'ai concaténé avec les valeurs de l'attribut. Et puis, donc, j'ai mis la fonction double surface. Donc là, vous voyez, je ne peux pas donner un corps à la fonction surface. C'est pour ça que j'ai mis à l'intérieur return 0. Pourquoi? Parce que dans le cas général, cas graphique, je ne peux pas donner une formule exacte de la surface. Et du coup, ici, j'ai mis une fonction sans corps. La fonction, elle retourne un 0. Mais après, je devrais la définir au niveau des classes dérivées pour donner la formule exacte à chaque forme géométrique. Donc, je vais essayer de copier-coller ceci sur le NetBeans. D'accord? Donc, je vais commencer par créer un nouveau projet. Il n'y a pas application. Je vais dire que c'est un projet phone. D'accord? Voilà. Donc, à l'intérieur de forme, je vais créer la classe parente, qui est la classe graphique. Donc, graphique, elle admet deux attributs. Donc, je vais juste embellir l'écriture. Donc, private int y. Donc, j'ai mon constructeur paramétré. Et là, pour vous dire que je peux ne pas écrire le constructeur par défaut, c'est un choix. Mais le plus important, c'est d'écrire un constructeur paramétré pour que vous puissiez créer vraiment donc, des objets avec des valeurs. Ensuite, la fonction affiche, elle permet juste d'afficher elle permet juste d'afficher les coordonnées x et y. Et puis là, la fonction surface, elle ne fait rien. Elle va nous retourner juste un 0. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je ne peux pas donner une formule exacte parce qu'un objet de type graphique, il n'a pas de formule exacte pour calculer la surface. Donc, je devrais l'étendre avec des classes dérivées pour que je puisse ajouter plus de spécificités. Donc, je vais continuer avec l'exemple. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une classe dérivée cercle. Donc, je vais copier-coller ce code sur NetBeans et voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une classe cercle. Cette classe cercle-là, elle hérite de la classe graphique. D'accord? Ensuite, il a ajouté comme information à la classe cercle le rayon. Et là, il a dit que le rayon, il a déjà comme valeur par défaut 1. Ensuite, il n'a pas créé le constructeur de la classe cercle. Donc, je vais l'ajouter moi-même, donc public. Et là, la classe cercle, elle devrait avoir comme valeur x, y et le rayon. C'est pour ça que je vais juste m'assurer des types. Donc, ce sont des entiers. Donc, int x, int y et int et double r, le rayon. D'accord? Et à l'intérieur de cette classe-là, je devrais tout d'abord appeler le constructeur par défaut, le constructeur paramétré hérité avec un super et je devrais lui donner les informations dont il a besoin. Et puis, je vais juste initialiser l'information spécifique à cette classe-là qui est le rayon. Et je vais dire que ce rayon-là, il prend comme valeur R. Ensuite, la fonction affiche. Voilà. La fonction affiche, elle permet de redéfinir la fonction affiche. Donc, je vais juste lui ajouter un public, un modificateur de visibilité. Donc là, la fonction affiche, elle va commencer par nous afficher le rayon parce que le rayon, déjà, il appartient à cette classe-là. Et puis, avec un super.affiche, je vais appeler l'affiche de la classe parente pour que je puisse accéder à l'affichage du centre x et y. Ensuite,
la fonction surface. Et là, vous voyez, on a redéfini la fonction surface parce que pour un cercle, je peux donner une formule exacte. Donc, tout à l'heure, surface, elle n'a pas de corps, elle retourne à zéro. Maintenant, surface, elle a une formule spécifique à elle. On dit qu'on a redéfini la fonction surface. Maintenant, si je vais créer des objets cercles, donc je vais essayer de créer un objet égal new cercle. Et là, je vais donner moi-même des valeurs pour gagner en termes du temps, donc, mais au lieu de passer par le scanner. Donc, je vais proposer une abscisse égale à 12, une ordonnée égale à 10 et un rayon est égal à 25. Ensuite, je vais afficher le cercle. Voilà. Ensuite, je vais afficher la surface du cercle. Donc, system.out.println. Tout d'abord, je devrais calculer la surface. Je vais la calculer à l'extérieur de l'affichage. Ça sera plus organisé. Donc, je vais mettre double S égale à C point calculer surface. Là, voilà. Ensuite, je vais afficher la surface. Donc, surface de cercle égale 2 points et je vais concaténer ceci avec S que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vais passer à l'exécution et je vais voir ce que ça va donner. Donc ici, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que c'est un cercle de rayon 25, c'est le rayon que j'ai passé comme paramètre. Le centre de l'objet se trouve dans 12 et 10, ce sont les abscisses et l'ordonnée que j'ai fait passer au constructeur et là, ça indique que déjà, il a accédé au constructeur de graphique puisqu'il a déjà mis des valeurs dans X et Y. Et finalement, il m'a calculé la surface. Il m'a dit que la surface, elle est égale à 157,0 pour vous dire que c'est bon. Il a pu changer le comportement de la fonction surface pour qu'elle puisse nous calculer la surface du cercle. Est-ce que c'est clair pour cet exemple-là? Est-ce que vous avez des questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Un deuxième exemple pour fixer les idées. Ibrahim, tout à l'heure, vous m'avez dit que c'est un peu clair. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Surtout pour les autres aussi. Donc, ce n'est pas facile, juste on devra maintenir deux mots clés qui sont extinct et super. Extend pour faire le lien de l'héritage et super pour accéder à chaque fois à un attribut, à un constructeur ou bien à une fonction qui est héritée à partir d'une classe parente. Est-ce que c'est clair? Qui n'a pas compris? Y a-t-il des questions? Donc, tout est clair? Ça va bien. Je pense que tout est clair, docteur. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, voilà un deuxième exemple. Là, une deuxième classe phi que j'ai appelée rectangle. Donc, rectangle également, elle hérite de la classe graphique. Donc, elle a un centre ou bien elle a les coordonnées de centre qui sont x et y. Et à part les coordonnées de centre qui sont héritées, je lui ai défini deux attributs qui sont largeur et longueur de type entier. Donc, dans le constructeur paramétré de rectangle, je devrais donner l'information de x et y qui vont être passées vers la classe parente pour créer l'objet et également je devrais lui donner une valeur de longueur et une valeur de largeur. Donc x et y vont être transmis comme j'ai dit tout à l'heure vers la classe graphique, c'est pour ça que j'ai appelé la fonction super et à l'intérieur j'ai mis les valeurs x et y. Et quant aux attributs locaux, donc longueur et largeur, je les ai initialisés moi-même au niveau du constructeur. Également pour la fonction surface, là j'ai une formule que je peux passer ou bien que je peux faire passer. C'est pour ça que j'ai redéfini la fonction surface et j'ai donné cette fois-ci une deuxième formule qui correspond à la formule de calcul de la surface pour un rectangle. Et là, vous voyez, la fonction surface, elle est une fonction héritée. Elle existe au niveau de la classe graphique. Au niveau de la classe graphique, elle n'a pas de corps. Elle va nous retourner juste un zéro, mais à chaque fois où je vais créer une classe dérivée, je vais donner une formule spécifique à la fonction surface.
Et là, la fonction surface, si elle est appelée via un objet de type rectangle, donc c'est cette formule-là qui va être utilisée. Si la fonction surface, elle est appelée par un objet de type cercle, donc c'est la formule du cercle qui va être appliquée. Et vous voyez là la factorisation du code. On a une seule fonction, on a un seul comportement, et ce comportement-là, il change selon la classe dérivée, il change selon la catégorie de l'objet qui a fait l'appel. Voilà donc une autre classe dérivée. Là, c'est la classe carrée. Donc, également, la classe carrée, elle hérite de la classe graphique. Donc, la classe carrée, elle a déjà x et y comme étant des coordonnées ou bien des attributs. Et elle a déjà la fonction surface. Et en plus que ça, je vais lui ajouter l'attribut côté. Donc, ou bien l'attribut côte d'un triangle, et j'ai choisi le type double pour cet attribut-là. En fait, pour créer un carré, je devrais tout d'abord créer le centre du carré, qui sont x, y, les coordonnées, et qui appartiennent déjà à la classe parente graphique, et également, je devrais instancier l'attribut côté qui fait partie de la classe carré. Donc, c'est pour ça que le constructeur carré, il a comme paramètre trois valeurs. Le premier paramètre, ou bien le premier argument, il va servir pour initialiser la côté qui est un attribut local. Et x, y, ce sont les coordonnées qui vont être transmises vers la classe parente pour initialiser les coordonnées de centre. Et c'est pour ça que la première instruction de mon constructeur, c'est l'appel au constructeur parent via le mot super. Et ce super-là, il a pris en paramètre les informations à utiliser au niveau de la classe parent qui sont bien évidemment x et y. Et pour la côté, je l'ai initialisé avec l'argument c parce que c'est un attribut local. Pour la fonction surface, une deuxième ou bien une troisième formule à donner. Donc, la fonction surface, elle devra changer de comportement, elle devra changer de corps. Donc, on va la redéfinir et cette fois-ci, on va lui donner la formule de calcul de la surface pour un carré. Et donc, vous voyez, la classe surface ou bien la fonction surface, elle a le même nom. Elle a la même liste d'arguments, c'est le vide. Elle a le même type de retour. Donc, on peut dire que la fonction surface, elle a la même signature, mais c'est le corps qui change à chaque fois. Donc, dans la classe carré, on lui a donné comme corps côte fois côte. Pour la classe rectangle, on lui a donné comme corps longueur fois largeur. Et pour la classe cercle, on lui a donné comme corps rayon fois 2 fois 3,14. Et là, vous voyez, la fonction surface, elle a été redéfinie à chaque fois où on fait la dérivation, sachant qu'au niveau de la classe parente, on n'a pas donné un corps à la fonction surface parce que c'est abstrait, on ne peut pas donner une formule exacte pour calculer la surface d'un graphique. Mais une fois on spécifie la nature du graphique, on peut donner la formule correspondante. Et là, la fonction surface, elle va se comporter selon l'appel. Si je vais appeler la fonction surface avec un objet de type cercle, donc c'est rayon fois rayon, c'est 2 fois pi fois r qui va être utilisé pour calculer la surface. Si je devais appeler la fonction surface avec un rectangle ou bien avec un objet de type rectangle, c'est la formule longueur fois largeur qui va être appliquée. Et bien évidemment, si je vais utiliser la fonction surface avec un objet de type carré, c'est côte fois côte qui va être utilisé comme formule pour calculer la surface. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Avez-vous des questions? Là, on a essayé de vous donner un exemple avec trois classes dérivées. Est-ce que c'est clair? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. N'hésitez pas à poser les questions, s'il vous plaît. Allez, docteur Iqbal est à votre disposition. Tout est clair? Posez les questions, s'il vous plaît. Docteur, je pense qu'ils n'ont pas de questions. Vous pouvez continuer. On continue, très bien. Donc, ici, il fallait très bien faire attention parce que l'héritage permet à la classe fille d'hériter des attributs et des méthodes. Ça, on l'a vu. On peut hériter, on peut utiliser les attributs et les méthodes qui existent au niveau de notre classe parent. Il permet à une classe fille également de donner d'autres définitions des attributs et des méthodes, telles que le cas de la fonction surface
qu'on a vu tout à l'heure et tel que le cas de la fonction affiche de tout à l'heure, comment on a pu changer le comportement, comment on a pu changer le corps de la fonction qui est héritée. Et il permet de redéfinir et surcharger une ou plusieurs méthodes héritées. Donc, si on a plusieurs méthodes héritées, on peut redéfinir toutes ces méthodes-là. Je vais revenir sur le mot surcharger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait surcharger une fonction? Ça veut dire que la fonction, d'accord, mais elle a le même corps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas le même signature. Donc, supposons que la fonction dont la classe parente, elle admet deux arguments, dont la classe fille, on va lui ajouter un autre argument. On dit qu'on est en train de surcharger. On est en train de changer la signature de la fonction. Mais la redéfinition, il ne fallait pas changer la signature. Il fallait changer le corps. Donc, on peut dire que redéfinir et surcharger sont un peu complémentaires. Redéfinir le même corps, la même signature, mais pas le même corps. Surcharger, pas la même signature et pas forcément le même corps. Le mot-clé super maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot-clé super? C'est un mot magique qu'on va utiliser si on va travailler avec de l'héritage. Quel est le rôle de ce mot-là? Son rôle primordial est de nous donner la main pour accéder aux attributs hérités, pour accéder aux constructeurs hérités et pour accéder aux fonctions héritées. Donc, pour invoquer une méthode d'une super classe ou bien d'une classe parente, il faut indiquer la méthode préfixée par le mot-clé super, comme on a fait tout à l'heure, super.affiche. Elle permet d'afficher, ou bien elle permet d'accéder à la fonction affiche de mon parent. Super.calculer-moyenne, elle permet d'accéder à la fonction calculer-moyenne qui existe dans mon parent. Super.surface, il permet d'afficher ou bien d'accéder à la fonction calculer-surface qui existe dans mon parent. D'accord? Ça, c'est le premier rôle du mot super. Le deuxième rôle, c'est invoquer le constructeur de la classe parente. Et dans ce cas-là, on va écrire super et on va donner entre parenthèses les différents paramètres qu'on va utiliser. Donc, le deuxième rôle de super, c'est d'invoquer les constructeurs hérités. Et si je vais invoquer le constructeur par défaut de ma classe parente, dans ce cas-là, j'écris super et parenthèse vide, il n'y a pas de paramètre. Si je vais invoquer le constructeur paramétré de ma classe parente, c'est-à-dire le constructeur paramétré hérité, dans ce cas-là, j'écris super et entre parenthèses, je donne les paramètres. Et il faut ici faire très bien attention, je devrais donner les mêmes arguments avec les mêmes types, c'est-à-dire je dois garder le même type et le même nombre d'arguments parce que le super de la classe phi, il va faire le lien avec le constructeur hérité et donc on ne devra pas avoir une contradiction, que ce soit au niveau des types des données passées en paramètres ou bien au nombre de paramètres. Donc, en Java, il est exigé dans le constructeur d'une classe fille d'invoquer le constructeur de la classe parent. C'est une obligation. Sinon, il y aura affichage des erreurs. Et c'est trivial parce que si je vais créer un objet fille complet, je devrais faire l'instanciation de ce qui est hérité. Donc, les yeux fermés, si vous avez de l'héritage, au niveau de constructeur de la classe phi ou bien de la classe dérivée, la première chose à faire, c'est d'écrire le super et invoquer de la classe parente ou bien le constructeur de la classe parente pour qu'il y aura création complète de l'objet. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vais le redire encore une fois, la création des objets ou bien l'instanciation au niveau de l'héritage, elle se fait sur deux niveaux. Un niveau local, au niveau de la classe phi en elle-même, parce que je vais donner des valeurs concrètes aux attributs de la classe phi, et une partie à distance ou bien une partie qui est un peu indépendante au niveau de la classe parente. Et là, c'est le constructeur parent qui va nous permettre de faire l'instanciation. Donc, le lien entre les classes parents et les classes filles, il est totalement géré par Java. Moi, j'écris le mot extends et c'est à Java de propager les modifications et de créer les liens entre les différentes classes liées par l'héritage une fois on a compilé notre programme. Donc, tout à l'heure, lorsqu'on a créé la classe graphique et on a créé cercle, rectangle et carré, lorsqu'on compile automatiquement, Java établit le lien entre la classe parent qui est graphique et les classes phi, carré, rectangle et cercle. Une fois on modifie ou bien on crée des modifications au niveau de la classe parent, automatiquement ces modifications seront propagées vers les classes phi et ceci se fait automatiquement par Java pour nous faciliter le traitement et pour nous aider à mettre en place une application
concise, là où il y aura pas redondance des informations ou bien redondance du code. Comment maintenant on peut accéder aux propriétés héritées? Déjà, on l'a vu tout à l'heure. Donc, exprès, j'ai fait l'exemple en premier pour que lorsque je parle théoriquement, vous faites le lien avec ce qu'on a vu en pratique et vous pouvez comprendre mieux. Donc, les attributs et les méthodes déclarées publiques restent publics à travers l'héritage, c'est trivial, on peut pas discuter là-dessus. Donc, lorsqu'on déclare des attributs publics ou bien des attributs des fonctions publiques dans la classe parente, automatiquement on peut accéder à ces attributs-là et à ces fonctions-là à travers les classes filles parce que déjà c'est public. Si on va créer des attributs qui sont privés au niveau de la classe parente, on ne peut pas y accéder directement à travers les classes filles. Pourquoi? Parce que privé, c'est-à-dire c'est sécurisé. Donc, on ne peut pas accéder directement à cet attribut-là au niveau de notre classe dérivée. Et dans ce cas-là, on devra passer par les getters et les setters. En fait, qu'est-ce que ce sont les getters et les setters? Ce sont des fonctions qui permettent de récupérer les getters ou bien de mettre à jour les attributs, les setters. Donc, je vais revenir vers l'exemple pour vous faire montrer comment ça se passe les choses. Donc, voilà notre classe graphique de tout à l'heure. Si vous voyez ici, X, Y, ce sont des attributs privés. Donc, si je tente de les afficher directement là, dans la fonction affiche, si je vais mettre system.out.println et je vais essayer de récupérer X, hein, par exemple. Je vais dire l'abscisse et deux points, et je vais essayer de récupérer l'attribut qui est hérité. On a dit que pour accéder à toute chose héritée, je devrais passer par super. Donc, super, point. Déjà, vous voyez ici, il ne me donne pas la main d'accéder à X, n'est-ce pas? Et si je force le compilateur et j'écris X, il m'affiche une erreur. Pourquoi? Parce que si vous voyez l'erreur, X has private access in graphics. C'est-à-dire, X, il est déclaré privé, je ne peux pas accéder à X. Et là, vous pouvez voir concrètement, si on déclare un attribut qui est privé, comment cet attribut-là, il est privé et je ne peux pas y accéder même si je suis dans l'héritage. Donc, pour résoudre ce problème-là, je devrais passer par les getters et les setters. Là, je suis en train de récupérer, donc je vais utiliser les getters. Comment j'utilise les getters? Un getter, c'est une fonction publique. Donc, je vais la déclarer ici, public. Elle va me retourner X, donc son type de retour, c'est int. Toujours, le nom commence par get pour dire que c'est un getter. Qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer X. Elle n'admet pas de paramètres. Donc, qu'est-ce qu'elle a comme mission, ce getter-là? Il a comme mission juste de me retourner X. Voilà, donc ce getter-là, elle va jouer le lien entre l'attribut privé et la classe dérivée. Et là, au lieu de mettre X, je vais mettre getX. Voilà, et le problème, il est résolu. Maintenant, il ne me dit pas que X, il est privé. Pourquoi? Parce que en fait, ici, je suis en train d'appeler getX. GetX, elle est privée, elle est publique, pardon. Donc, j'ai la main à utiliser cette fonction héritée parce qu'elle est publique. Et à l'intérieur de la fonction héritée, qu'est-ce que j'ai? Return X. Donc, cette fonction-là, elle va me retourner X et elle a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle existe dans la même classe que X. Donc, voilà, c'est un petit truc pour accéder à un attribut qui est privé et le récupérer. Maintenant, si je voulais changer le contenu d'un attribut privé, par exemple, je suis dans la classe cercle et vous voulez changer le contenu de X. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire super parce que je vais appeler un attribut qui est privé, qu'un attribut qui est hérité et je vais tenter d'écrire X. Là, je ne peux pas parce que X, il est privé, il ne me donne pas la proposition d'accéder à X. Si je vais forcer le compilateur à écrire moi-même X et je vais mettre par exemple 15, il va m'afficher la même erreur. Il va m'afficher que, voilà,
Elle va m'afficher que X has private access in graphic. X, il est privé. Tu ne peux pas changer son contenu. Et là, pour remédier à ce problème-là, je vais utiliser les getter et les setter. Et cette fois-ci, puisque je vais changer le contenu, je vais utiliser un setter et pas un getter. Donc, le getter, il récupère et le setter, il met à jour. Donc, le setter, qu'est-ce qu'il a comme mission ici? De changer le contenu de l'attribut. Donc, il n'a pas un type de retour. D'accord? Défaut, ça commence par un set. Et qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer l'attribut x. C'est pour ça que je vais mettre set x. Donc, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle a comme rôle? De changer le contenu de x. C'est pour ça que je devrais lui donner comme argument une valeur pour l'utiliser lors de la mise à jour de l'attribut x. Et dans ce cas-là, je vais mettre x égale à égal à V. Donc, je vais changer le contenu de X ici. Permis, pourquoi? Parce que cette fonction-là, elle est publique et X appartient à la même classe que cette fonction-là. Donc, je suis dans la même classe, je peux accéder à un attribut privé. Je vais revenir là où il m'a dit que tu ne peux pas changer le contenu de X et je vais changer cette instruction-là par un appel à la fonction setX et je vais lui donner la valeur de tout à l'heure que je vais utiliser pour changer le contenu de X. Et là, vous voyez, l'erreur, elle disparaît parce que j'ai accédé à un attribut privé via un setter. Vous voyez? Donc, la question qui se pose là, ici, l'attribut, il est privé. C'est que nous voulons le protéger. Pourquoi alors on utilise les setters et les getters pour y accéder? Comme si on ne fait rien, n'est-ce pas? La réponse est la suivante. Le développeur, il va déclarer les attributs qui sont sensibles, les attributs qui sont dangereux, entre parenthèses, avec le type privé. Et il va nous donner des getters et des setters selon le besoin. Donc, si cet attribut privé, il a la chance d'être utilisé dans un contexte particulier, je vais lui développer un getter et un setter public pour le manipuler. Si l'attribut il est intouchable, je ne vais pas mettre en place des getters et de setters pour accéder à cet attribut-là. Donc, c'est le développeur qui va nous donner la main quand est-ce que utiliser un attribut privé et quand est-ce ne pas l'utiliser. Mais c'est une solution vraiment pour protéger et en même temps utiliser dans un contexte particulier les attributs qui sont privés. Et c'est ça que ça veut dire. Si la variable ou bien l'attribut il est déclaré privé et que nous voulons l'utiliser, on ne pourra pas l'utiliser directement, mais on devra passer par les getter et les setter. Getter, elle permet de récupérer et setter, elle permet de mettre à jour. Mais si on veut sortir de tout ça et rendre l'application plus simple et plus compréhensible, on devra utiliser le type protected comme on a fait au départ. Donc, protected, c'est un modificateur génial dans le cas de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il va se comporter comme étant un modificateur privé entre les classes liées par l'héritage, plutôt public entre les classes qui sont liées par l'héritage. Il se comporter comme étant privé à l'extérieur. Donc, les attributs qu'on déclare protected sont accessibles par les classes liées par l'héritage comme étant public. On a une large utilisation. On peut utiliser amplement les attributs, mais si une classe n'appartient pas aux classes dérivées, elle n'a pas la main de toucher les attributs parce que protected, elle va se comporter comme étant un modificateur privé en dehors de l'héritage. Donc, voilà un exemple ici. Donc, j'ai défini la classe graphique. Donc, c'est tout à fait l'exemple de tout à l'heure. Donc, ici, je propose que les classes appartiennent au même projet. Hein. Donc, la classe graphique et la classe cercle appartiennent au même projet comme on a fait tout à l'heure. Donc, X, Y, ce sont des attributs privés. Donc, ici, j'ai ajouté la fonction, j'ai ajouté l'attribut couleur, pardon. Couleur, il est de type chaîne de caractère et il est public. J'ai appelé ou bien j'ai développé la fonction affiche. Elle va m'afficher juste les coordonnées du centre du graphique et j'ai défini la fonction surface. Elle ne retourne rien, donc elle va juste retourner un 0. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le moment, on ne peut pas donner une formule exacte à la fonction surface. Maintenant, je vais définir la classe cercle.
Donc, la classe Circle, elle hérite du graphique déjà, d'accord? Ensuite, j'ai ajouté un attribut rayon à la classe Circle parce que c'est trivial. Chaque cercle, elle est caractérisée, elle est caractérisée par un rayon. Donc, le rayon, il est de type double. Et maintenant, j'ai défini, je vais définir la fonction changer centre. La fonction changer centre, elle a pour rôle de changer les informations du cercle. Or, le cercle, il est caractérisé par un rayon qui est un attribut local, mais les coordonnées de centre sont définies dans une classe parente. Donc, la question qui se pose, est-ce que je peux accéder directement aux coordonnées de centre ou pas? Et voilà la réponse. Donc, lorsque j'ai mis x égale à x1, c'est-à-dire je vais changer l'attribut x de ma classe parent par x1 et je vais changer la valeur y de ma classe parente par y1, il y aura erreur. Pourquoi? Parce que x et y sont déclarés privés et je ne peux pas y accéder à partir de la classe cercle, comme on a fait tout à l'heure. Lorsque j'ai changé la valeur de x, il m'a affiché l'erreur que x il est déclaré privé. Tu ne peux pas changer son comportement. Donc, j'ai redéfini la fonction surface. J'ai donné une formule à surface. Ça, c'est trivial, c'est correct, il n'y a pas de problème. Et puis, pour la fonction affiche, j'ai appelé la fonction affiche de mon parent. Là, la fonction affiche, elle va afficher le X et Y. Pourquoi? Parce que affiche, elle a la main d'accéder à X et Y parce que déjà, affiche, elle existe dans la même classe que X et Y. On dit que c'est un appel friendly, c'est un appel ami. Pourquoi? Parce que la fonction affiche, elle a été appelée depuis la classe cercle. Or, pourquoi? Parce que déjà, elle est publique. Or, la classe affiche, elle existe déjà dans la même classe que les attributs privés. Donc, elle peut facilement y accéder et nous afficher x, y, tel que le cas de tout à l'heure sur NetBeans. Maintenant, si les deux classes n'appartiennent pas au même projet, c'est-à-dire je vais créer un premier projet et dans lequel je vais créer la classe graphique et dans un autre projet ou bien dans un autre package, je vais créer la classe affiche. Donc, la question qui se pose, ou bien la classe sec, la question qui se pose, est-ce que j'aurai un problème ou pas? Donc, aussi, si les fonctions et les classes sont dans des packages ou bien des projets différents, on aura le même résultat. Qu'est-ce que ça veut dire, on aura le même résultat? Ça veut dire, si je vais accéder aux attributs privés, je ne peux pas, parce que ce sont déclarés privés. Et donc, je ne peux pas accéder à un attribut privé en dehors de sa classe. Et cette fois-ci aussi, la fonction affiche ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que lorsque je vais appeler la fonction affiche dans un projet, je ne peux pas accéder à cette version-là qui existe dans un autre projet. Et là, on dit que cet appel-là n'est pas ami, n'est pas friendly. Pourquoi? Parce que l'appel à la fonction et la fonction en elle-même n'existent pas dans le même package, n'existent pas dans le même projet. Et là, il fallait penser vivement à une autre solution pour afficher les coordonnées de centre qui existent dans un autre projet. Est-ce que c'est clair ce point-là, s'il vous plaît? Je sais que c'est un peu compliqué, mais j'ai essayé de le simplifier le maximum possible et vos questions vont nous aider à avoir plus d'éclaircissement concernant ce point-là. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Y a-t-il des choses qui ne sont pas claires? Y a-t-il des questions sur cette partie? Si on a des attributs privés, comment on peut y accéder? Donc, je vous rappelle que le protégé, il va résoudre le problème. Si je mets « protected », c'est bon, le problème il est résolu, je peux amplement utiliser les attributs et les fonctions. Mais si je déclare les attributs comme étant des privés, là, il y en a un problème. Il fallait passer par les « getter » et les « et les setters pour que vous puissiez accéder aux attributs hérités. Les questions? Les questions, s'il vous plaît. Alors, qui ont des questions? Qui ont des questions? Qui ont des questions?
Je pense que tout est clair, il n'y a pas de question, docteur. Je vais continuer si vous n'avez pas terminé. Parfait, très bien. Donc, je vais passer maintenant à la construction et à l'initialisation des objets. Là, on l'a vu côté pratique, mais maintenant, on va faire le récap théoriquement. Donc, pour construire un objet irrité, on l'a déjà vu. On a dit qu'il s'étale sur deux parties. Une partie locale, là, on va donner des valeurs aux attributs locaux de la classe dérivée. Une partie distante, parce que les attributs qui sont hérités vont être initialisés via le constructeur parent. Et là, il fallait utiliser le mot-clé super pour accéder au constructeur parent et par conséquent pour créer le reste de l'objet. Donc en Java, le constructeur de la classe fille doit prendre en charge la construction de l'objet et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, une fois on va créer un objet, on devra créer un objet de type classe fille et pas un objet de type classe parent. Pourquoi? Parce que la classe parent, elle n'est pas complète. Comme tout à l'heure, la classe personne, elle n'a que le signe nom et prénom. Le reste de l'information, il existe au niveau de la classe dérivée. Et du coup, si je vais créer un objet de type personne, il me manque de l'information parce que je ne peux pas initialiser l'attribut moyenne, je ne peux pas initialiser l'attribut grade, je ne peux pas initialiser l'attribut ancienneté qui existe au niveau de classe dérivée. Mais si je vais créer un objet de type dérivé, j'aurai toutes les informations nécessaires parce que la classe dérivée elle-même, elle va accéder aux classes hérité et elle va accéder aux attributs qui sont hérités et du coup, l'objet sera créé dans sa totalité. Donc, si le constructeur de la classe fille invoque le constructeur d'une classe parent, il doit le faire dans la première instruction. Donc, les yeux fermés, si vous allez développer le constructeur de la classe fille, la première chose à faire, c'est d'appeler le constructeur parent. Donc, vous voyez ici dans la classe cercle, avant de commencer à initialiser l'orient, j'ai appelé le constructeur de mon parent via le super. Également ici, dans la classe étudiant, je vais revenir vers le projet étudiant. Voilà, donc pour le projet étudiant, donc dans le constructeur par défaut de la classe étudiant, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le constructeur par défaut de la classe personne, de la classe parente. Et dans le constructeur paramétrique de la classe étudiant, la première chose à faire, c'est d'appeler le constructeur paramétrique de la classe étudiant, de la classe personne, c'est-à-dire de la classe parent, en lui fournissant les différentes informations nécessaires. Donc, dans le constructeur de la classe fille, vous devrez immédiatement, ou bien vous devrez commencer par l'appel du constructeur parent. Et ceci se fait à travers le mot-clé super, on l'a vu déjà. Donc, voilà un exemple là. Donc, j'ai défini la classe graphique. C'est pratiquement l'exemple de tout à l'heure. Donc, la classe graphique, il a comme attribut X, Y. Et j'ai défini le constructeur paramétré de graphique. Au niveau de la classe cercle, au niveau de la classe cercle, j'ai ajouté tout d'abord le rayon qui est un attribut spécifique au cercle. Mais dans le constructeur de cercle, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le constructeur paramétré de la classe graphique. Et je lui ai donné deux valeurs qui sont A et B. Donc, comment il va fonctionner ce constructeur-là? Il va faire le lien avec le constructeur de graphique. Il va mettre dans X1 la valeur de A. Et il va mettre dans Y1 la valeur de B. Et puis, il va initialiser X, Y par A et B. Et comme ça, je vais faire passer les informations de la classe dérivée, qui est la classe cercle, vers la classe parente, qui est la classe graphique. Et ensuite, j'ai la main pour initialiser les attributs propres à la classe cercle, tel que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai initialisé le rayon par R. Donc, souvent, une classe parent et une classe fille ont chacun en moins un constructeur, et ça, c'est le cas idéal. Donc, on devra toujours créer des classes avec leurs constructeurs, parce que ce sont les constructeurs qui vont me permettre de créer les objets, et du coup, pouvoir simuler le comportement attendu par ces classes-là. Donc, on ne peut pas instancier, on ne peut pas créer des objets sans passer par les constructeurs, mais on pourra tomber dans des cas particuliers, là où il y en a des classes qui ne contiennent pas des constructeurs. Donc, le constructeur, bien sûr, de la classe fille termine la construction de l'objet en invoquant le constructeur de son parent. Donc, il commence par créer l'objet fille et lorsqu'il arrive au mot super, il va se brancher
sur le constructeur du parent pour terminer la construction de l'objet. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois on tombe dans des cas particuliers là où des classes ne contiennent pas des constructeurs. Et voilà un premier cas. On suppose que la classe parent elle n'a pas de constructeur et nous voulons créer des classes filles. Est-ce qu'on pourra le faire ou pas? Donc voilà ici un exemple concret. Donc j'ai défini la classe parent A. La classe parent elle n'a pas de constructeur. D'accord? Et puis j'ai créé la classe B. La classe B, c'est une classe dérivée. Elle hérite de la classe A. Et puis, donc, j'ai défini le constructeur par défaut de la classe B. D'accord? Et à l'intérieur, j'ai appelé le constructeur par défaut de la classe parente. Et puis, j'ai initialisé la classe dérivée. Donc, j'ai créé un objet vide. La question qui se pose là, est-ce que je pourrais créer un objet B vide ou pas? Allez, vous allez me répondre. Est-ce que je peux créer un objet vide de type B ou pas? Est-ce que je peux instancier la classe fille ou pas? Sachant que dans la classe fille, j'ai développé un constructeur par défaut. Et dans le constructeur par défaut, j'ai fait l'appel au constructeur par défaut de mon parent. Mais lorsque j'ai développé le parent, je n'ai pas mis de constructeur. Est-ce que l'objet sera créé ou pas? Allez. Focalisez sur l'exemple et essayez de me répondre. Est-ce que je peux créer l'objet ou pas? Vous allez vous baser sur une remarque qu'on a faite durant la première séance concernant la création d'objets et l'utilisation des constructeurs. Est-ce que je peux accéder au constructeur par défaut de la classe A, est-ce que je peux créer l'objet B? Allez, vos réponses, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Oui, on peut. Oh, d'accord. Pourquoi on n'a pas créé un constructeur au niveau de la classe A, Ibrahim? Comment je peux invoquer un constructeur qui n'existe pas? Est-ce que tu peux m'argumenter? La réponse, elle est correcte. Je voulais juste la justification. Je vais vous afficher encore une fois le code. La réponse est juste. Il fallait juste justifier. A, elle n'a pas de constructeur. Donc, comment je peux appeler un constructeur qui n'existe pas? Alors, veuillez répondre à la question et donner justification. Donner pourquoi vous pouvez. Pour les autres, vous pouvez m'aider aussi. Hein? Pour les autres, vous avez la moitié de la réponse. Pensez avec Ibrahim et donnez-moi la justification pourquoi on a la main de créer un objet B vide, sachant que la classe parente, elle n'a pas de constructeur. Mm-hmm. Voilà le code, il est affiché sur vos écrans. Il fallait se baser sur une remarque qu'on a faite au départ de la formation, la première séance de la formation. Y a-t-il des réponses ou bien je continue? Allez tout le monde! Allez, hop, hop! Ah ben, on ne va pas vous dire les paroles. Sur quoi tu t'es basé pour me dire oui, Ibrahim? Sur quoi tu t'es basé? Les autres, essayez. Ah ben, le reste des participants, où ils sont, hein? Oui, c'est vrai, la classe B. C'est vrai, la classe B, elle hérite de la classe A. Et nous avons dit que la classe B, c'est une classe fille. Et pour créer l'objet, elle va utiliser son propre constructeur et le constructeur de son parent. Or, dans ce cas-là, son parent, il n'a pas de constructeur. Je n'ai pas mis de constructeur, moi. Donc, normalement, il y a un problème. On est en train d'appeler une chose qui n'existe pas. Et pourtant, oui, je peux créer l'objet.
La réponse est la suivante pour ne pas perdre du temps. Si vous vous souvenez, dès la première séance, je vous ai dit que Java, elle nous aide. Si on ne met pas nous-mêmes un constructeur, Java, elle va nous offrir un constructeur par défaut. D'accord? Et du coup, lorsque B va être créé, il va commencer à exécuter son constructeur. Il va trouver un appel vers un constructeur qui n'existe pas. Donc, l'appel va être redirigé vers le constructeur offert par Java. Donc, on va utiliser le constructeur par défaut de Java parce que nous, en tant que développeurs, on n'a pas mis de constructeur dans la classe parente. Et l'objet B, par conséquent, sera créé avec des valeurs nulles. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez de l'information? Est-ce que vous vous rappelez de l'information? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que Dr Iqbal vient de parler? On vient à parler? Merci, donc, oui, je me rappelle Ibrahim, de la première Il fallait pas oublier les trucs comme ça en Java parce que c'est très important et elle va vous aider pour créer vos applications. Donc, le deuxième cas maintenant, la classe fille, elle n'a pas de constructeur. Donc, dans ce cas, le constructeur par défaut de la classe fille va être initialisé, les attributs de la classe et appeler en même temps le constructeur par défaut de la classe parente. Donc, voilà, je vais expliquer par le code pour mieux comprendre. Donc, là, j'ai un constructeur parent. D'accord? Le constructeur parent, il a un constructeur par défaut et un constructeur paramétré. D'accord? Et puis, je vais définir une classe dérivée B. Et cette classe dérivée, elle hérite de A. D'accord? Et je ne vais pas mettre un constructeur dans B. D'accord? Et puis, je vais essayer d'instancier la classe B. Donc, lorsque j'écris new, normalement, je vais appeler le constructeur de B. Or, B, elle n'a pas de constructeur. N'est-ce pas? Dans ce cas-là, la même réponse que tout à l'heure, le constructeur par défaut de B sera invoqué, le constructeur offert par Java, et ce constructeur-là, il va se baser sur l'héritage pour appeler le constructeur par défaut du parent. Donc, vous voyez, Java, elle va faire tout le nécessaire pour qu'on puisse créer l'objet. Mais faites attention, cela est valable que pour les constructeurs par défaut. Si je passe par les constructeurs paramétrés, donc on ne peut pas faire ceci parce que le constructeur paramétré, il nécessite des informations côté client. Il nécessite des informations fournies soit par le code, soit par l'utilisateur. Et du coup, on ne peut pas donc appeler un constructeur paramétré automatiquement par Java. Donc, le deuxième cas de figure, on a une classe A qui est une classe parente. Cette classe A, elle a juste un constructeur paramétré. On n'a pas mis le constructeur par défaut. Et puis, donc, on a une classe B qui hérite de A, d'accord? Et la classe B dérivée, elle n'a pas de constructeur. Et je vais tenter d'initialiser cet objet dérivé-là. Et là, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que je ne vais pas, je vais pas avoir la main de créer l'objet. Pourquoi? Parce que tout d'abord, ce new-là, elle va se rediriger vers la classe B pour chercher s'il y a un constructeur. Elle ne va pas trouver un constructeur, donc elle va appeler le constructeur par défaut de la classe B, le constructeur fourni par Java. Or, ce constructeur par défaut-là, il va essayer de se baser sur l'héritage pour appeler le constructeur par défaut de A. Et là, il ne va pas trouver un constructeur par défaut. Donc, l'instanciation s'arrête et l'objet ne sera pas créé. Et en fait, une question qui se pose là, mais pourquoi on n'utilise pas le constructeur par défaut offert par Java? En fait, Java, si elle trouve qu'il y a un constructeur dans la classe, elle va éliminer le constructeur offert par Java. Elle ne va pas nous offrir un constructeur. Et là, puisque j'ai déjà mis un constructeur paramétré au niveau de la classe A, automatiquement, le constructeur par défaut de Java sera supprimé, sera éliminé. Et du coup, le constructeur par défaut de B ne va pas trouver un constructeur par défaut dans A pour qu'il termine la création de l'objet et du coup, donc, il y aura un problème et l'instanciation ne sera pas faite. D'accord? L'autre cas, c'est que je ne mets pas de constructeur dans A et je ne mets pas de constructeur dans B. Automatiquement, ici, l'instanciation passe. Pourquoi? Parce que le constructeur de Java de B va appeler le constructeur de Java de A. Donc, si je vais résumer cette partie, dans le cas idéal, on développe nous-mêmes les constructeurs.
Et la première instruction d'un constructeur phi, c'est d'appeler le constructeur de parent. D'accord? Ça, c'est le cas idéal. En tant que développeur, on doit garantir ceci. Mais si on tombe dans les cas particuliers, là où il n'y a pas parfois des constructeurs, donc si je ne mets pas de constructeur, le constructeur par défaut offert par Java de la classe B va appeler le constructeur par défaut offert par Java de la classe parent et l'instanciation passe. Si je mets des constructeurs paramétrés, l'instanciation ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'une fois on met un constructeur paramétré, les par défaut de Java seront éliminés et il n'y aura pas la main de créer un objet. D'accord? Donc ça, c'est concernant la construction et l'initialisation d'objets. Il me reste juste une petite partie, donc préparez vos questions. Et à la fin de la séance, je vais vous donner la main de poser les questions. Donc, je vais passer vite fait à la dérivation successive. Là, lorsqu'on a plusieurs héritages en même temps, tel que le cas de cet exemple-là. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire une dérivation successive? Ça veut dire qu'il y en a des classes qui sont à la fois des classes parents et des classes filles. Donc, il fallait voir comment les informations se propagent à travers ces niveaux-là. Donc, voilà ici un exemple. On a la superclasse animal. Donc, de cette classe-là, on a fait hériter canari, chien et chat. Donc, canari, chien et chat, ce sont des classes dérivées de la classe animal. Mais de la classe chien, j'ai fait l'héritage des types de chiens. Donc, teckel, labrador et caniche. Donc, là, chien, elle est en même temps une classe fille de la classe animal et une classe parente de teckel, labrador et caniche. Et là, il fallait très bien faire attention au niveau de la propagation de l'information. Donc, toujours, on va utiliser le super et l'extend pour faire l'héritage et faire de l'appel distant ou bien l'accès aux attributs hérités. Mais là, il fallait faire attention que teckel, labrador et caniche héritent les informations de chien et en même temps héritent les informations d'animal. Donc là, il fallait très bien faire attention au niveau de la programmation des différents héritages. Donc maintenant, si on a des fonctions héritées, comment on peut accéder? Donc là, on a une fonction f qui est développée dans la classe A, qui est la classe parente. Et cette fonction-là, elle a été redéfinie au niveau de la classe C et redéfinie au niveau de la classe D. Pour B, E et F, on n'a pas redéfini la fonction, on va l'utiliser telle qu'elle. Et là, la question qui se pose, quelle fonction je vais utiliser au niveau de chaque classe? Donc, si je suis dans la classe A et je voulais accéder à la fonction F, A, elle contient déjà la fonction f. Donc, je vais utiliser la version qui existe dans A. D'accord? Cette fonction-là, elle a été héritée par la classe B. Mais B, elle n'a pas redéfini la fonction. Donc, si je vais appeler la fonction f au niveau de la classe B, je vais utiliser la version qui existe dans A. Pourquoi? Parce que B, elle hérite la fonction de A et elle n'a pas changé son comportement. Par contre, si je vais appeler la fonction f au niveau de la classe C, je vais utiliser la version de la classe C. Pourquoi? Parce que C, elle a hérité la fonction et elle l'a redéfinie. Donc, si je vais créer un objet de type C et je vais appeler la fonction f, on va utiliser la version qui existe au niveau de la classe C. Maintenant, je vais passer à la classe D. D, elle a hérité la fonction B, la fonction F depuis la classe B. Et B, à son tour, elle hérite la fonction F de la classe A. Donc, D, elle va redéfinir la fonction. Donc, si je vais appeler la fonction F avec un objet de type D, je vais exécuter la version redéfinie de la classe D. Par contre, pour la classe E, on va utiliser la version qui existe au niveau de la classe A. Pourquoi? Parce que E, elle va hériter la fonction depuis la classe B. Or, B, à son tour, elle n'a pas redéfini la fonction, mais elle l'a utilisée telle qu'elle est définie au niveau de la classe A. Donc, F, elle va se propager de A vers B et de B vers E. Et C,
c'est la version qui a été développée au niveau de la classe A qui va être utilisée au niveau de la classe phi E. F, la classe F, elle hérite de la classe C. Or, C, elle a redéfini la fonction F. Donc, F, la classe F, elle va utiliser la version qui existe au niveau de la classe C. Et là, vous pouvez voir comment une fonction qui se développe au niveau d'un niveau supérieur peut être utilisée dans des classes filles de niveau inférieur. Donc, si la fonction a été redéfinie, je vais utiliser la version redéfinie de mon parent, tel que le cas de F. Si la fonction n'a pas été redéfinie par mon parent, je vais utiliser, disons, la version de mon grand-parent, donc la version qui existe tout en haut de l'arborescence de l'héritage. Et c'est comme ça qu'on puisse accéder à des fonctions à travers des niveaux d'héritage différents. Finalement, donc, le modificateur final. Donc, on a dit que final, il est utilisé devant les variables pour les transformer en des constantes, mais également au niveau de l'héritage, on peut utiliser final pour rendre la classe stable et ne pas hériter cette classe-là. Donc, si on a une fonction, si on a une classe développée et vous ne voulez pas que cette classe soit héritée par d'autres classes, on devra écrire final avant cette classe-là. Et dans ce cas-là, on ne peut pas hériter cette classe. Également, final, si elle s'écrit avant une fonction, on interdit la redéfinition de la fonction. Et voilà un exemple. Donc là, j'ai défini la classe B. Au niveau de la classe B, j'ai défini une fonction f. Et avant cette fonction-là, j'ai écrit final. Donc là, lorsque j'ai voulu redéfinir la fonction dans une autre classe B, il va m'afficher une erreur pour me dire quoi? Il va me dire que F ne peut pas être redéfinie, tu ne peux pas changer son comportement parce qu'elle a été définie en tant que finale. Donc là, je résume pour le final. Final ou bien final, c'est un modificateur qui fige l'évolution, qui stoppe l'évolution. Donc si j'écris final devant une variable, cette variable, elle se transforme en une constante. Si j'écris final devant une classe, cette classe ne peut jamais être héritée. Si j'écris final devant une fonction, cette fonction ne pourra jamais être redéfinie. Je ne peux pas changer son comportement. Donc, on peut dire dans ce cas que le final, elle fige l'évolution, elle fige le changement, que ce soit au niveau des contenus de variables, que ce soit au niveau des classes, que ce soit au niveau du comportement des fonctions. Donc voilà, là j'ai arrivé à la fin de cette partie-là qui parle de l'héritage. Donc comme vous le voyez, on a essayé de parler un tout petit peu sur les différents aspects de l'héritage, sur l'aspect sémantique, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux avoir des fonctions héritées et des attributs hérités, comment je peux factoriser le code. On a vu syntaxiquement comment on peut mettre en place ceci. On a vu l'héritage successif et on a vu également le fait de figer l'héritage ou bien de figer la redéfinition des fonctions héritées en utilisant final. On a vu super, ce mot magique qui va nous permettre d'accéder à des attributs et des fonctions héritées. Donc, le récapitulatif de tout cela, si on va dire l'héritage en Java, on va dire extends pour établir l'héritage. On va dire super pour accéder à tout ce qui est hérité et on va dire final si on veut stopper la portée de l'héritage. Donc, il fallait se souvenir très bien de ces trois mots. Donc, j'espère que j'étais claire. N'inquiétez-vous pas, c'est un peu complexe, mais je vais dédier la séance prochaine à un atelier pour mettre en place des exercices sur l'héritage. Comme ça, vous allez assimiler mieux les différentes notions qu'on va voir. Juste, il fallait bien réviser le PowerPoint, il fallait regarder l'enregistrement et comprendre ce qu'on a dit pour que vous puissiez me comprendre si on va faire l'atelier la prochaine fois. Donc, Charles, la prochaine fois, je vais corriger les deux exercices restants de l'atelier 1 et je vais corriger l'atelier 2 que je vais proposer et qui va porter sur l'héritage. Je vais partager les documents à l'avance pour que vous puissiez donc essayer chez vous avant de corriger. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui, Madame Malak.
Donc, je voulais savoir s'il y en a des étudiants qui ont des questions. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Brahim, il est en train d'écrire, je pense. Si je n'écris pas, je perds tout court pour l'exemple d'étudiant, mais je lui passe directement les arguments. Oui, ça va fonctionner. Donc, dans ce cas-là, Ibrahim, tu vas créer des étudiants avec des valeurs, mais tu ne peux pas créer un étudiant vide. D'accord? Parce que tu n'as pas appelé le super par défaut. D'accord? Donc, tu vas juste créer des étudiants avec toutes les informations nécessaires, mais tu ne peux pas créer un objet, tu peux pas créer un objet étudiant vide. Parfait. Les autres? Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mm-hmm. Pas de questions? Ok. Ibrahim, il me demande de réexpliquer le mot surchargé. En fait, surcharger une fonction, ça veut dire utiliser le même nom de la fonction, mais avec une signature différente. Comment cela se peut? Donc, je vais vous donner un exemple. Voilà. Donc, supposons que je vais créer deux fonctions addition. La première fonction, elle sert à additionner des entiers et l'autre, elle sert à additionner des réels. Donc, la première, elle va admettre comme argument deux entiers. La deuxième, elle va admettre comme argument deux réels. Mais les deux, ça s'appelle addition. Ils ont le même type de retour et ils ont le même corps. Dans ce cas-là, je dis que je suis en train de surcharger l'addition. C'est-à-dire, je vais donner la même fonction, mais avec des arguments différents, de types différents, ou bien avec des types de retours différents. D'accord? T'inquiète pas, on va faire un exemple là-dessus, Inch'Allah, la séance prochaine. Mais grosso modo, c'est ça. Et là, pour l'appel, si je fais l'appel avec des entiers, c'est l'addition des entiers qui va être invoquée. Et si je fais l'appel avec des réels, c'est la version de l'addition des réels qui va être invoquée. On va faire un exemple là-dessus. Mm-hmm. D'autres questions? Super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mm-hmm. Mm-hmm. Qui ont des questions? Qui ont des questions? Allez, allez, hop, hop, on attend vos questions. Donc, nous attendons jusqu'à l'arrivée d'Ibrahim. Quelqu'un a des questions? Vous pouvez expliquer un peu le mot protected. D'accord. En fait, protected, c'est un modificateur de visibilité qu'on va l'utiliser si on a de l'héritage. D'accord? Et il va jouer le rôle de privé et public en même temps. Comment? Toute classe liée par l'héritage, les attributs de ces classes-là vont être considérés comme publics. Et donc, on a la main d'utiliser librement les attributs de ces classes-là. Comme l'exemple de tout à l'heure. Étudiant, administratif, personne et enseignant sont des classes liées par l'héritage. Donc, si je déclare protected les différents attributs de ces classes-là, donc ces classes vont utiliser leurs attributs de façon publique et je peux, à partir de étudiant, administratif et enseignant, accéder à personne et inversement. Et ceci se fait de façon libre. Pourquoi? Parce que protected, il va réagir comme étant un public. Mais si j'ajoute une autre classe qui n'est pas liée par l'héritage et je tente d'accéder
aux attributs d'enseignant ou bien d'étudiant ou bien de personne, j'aurai pas la main. Pourquoi? Parce que protected, maintenant, elle va jouer le rôle de privé et elle va protéger les attributs de l'héritage contre les accès extérieurs. Donc, protected, il est utilisé dans l'héritage. Il va se comporter comme étant public à l'intérieur de l'héritage. Il va se comporter privé pour les autres classes extérieures. D'accord? Super. Donc, ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Des questions? Alors, des questions. Allez, allez. Hop, hop. On n'a plus de questions, tout est clair? J'espère bien, hein? Je vais tester ceci la séance prochaine, hein, durant l'atelier. Je vais voir, est-ce que c'est vraiment clair ou pas? Ah là là, vous aurez un quiz surprise pendant l'atelier, hein? Veuillez faire attention, oui. Il ne faut pas dormir ou s'échapper. Donc, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du troisième cours d'aujourd'hui. Je m'excuse, madame. Juste, il y a une question. En fait, Brahim, il ne me reste que les pratiques. En fait, Brahim, je t'encourage, tu es à la page, tu es en train de me suivre. Et je sais, ce n'est pas aussi évident d'apprendre Java avec des notions pratiques, théoriques uniquement. Et les exemples que je donne, ce n'est pas aussi suffisant pour vraiment maîtriser les différentes notions. Moi, je vous donne l'essentiel, je vous donne la crème. J'essaye de vous donner des exercices guidés pour que vous puissiez fixer les idées. Mais après, donc, le balance est à vous. Il fallait pratiquer, il fallait installer NetBeans, cherchez sur Internet des exercices, il y en a plein d'exercices et essayez de pratiquer, essayez de développer. Et c'est en faisant des erreurs, c'est là où vous allez essayer de corriger et apprendre les différentes notions. Donc, vous êtes sur les rails, il fallait juste travailler un peu. Donc, à la fin du cours d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour les étudiants. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous donne la crème. J'essaie de balayer vite fait donc, les différentes notions de base. On va s'enfoncer dans la pratique, Inch'Allah, la séance prochaine. Et je vais encore une fois faire des exercices et réexpliquer les notions de cours. J'invite les étudiants en Manta. Je leur invite vivement à revoir les PowerPoints, à consulter les enregistrements et surtout à essayer de faire des exercices eux-mêmes parce que, comme je le disais toujours, la programmation ne s'apprend pas en regardant les autres. C'est comme pour les football ou bien les sports, il fallait pratiquer pour être professionnel. Également pour la programmation, il fallait pratiquer pour être expert. On ne peut pas être un joueur en regardant les matchs. Voilà. C'est tout ce que je peux leur dire pour aujourd'hui. Voilà, je leur souhaite une bonne révision. Et s'il n'y a pas d'autres choses ou bien d'autres questions, à la séance prochaine. Donc, il y a Ibrahim qui demande si c'est possible, docteur, de partager le premier exemple de l'étudiant. D'accord, le code, vous voulez le code? Si. Vous voulez le code source, Ibrahim? D'accord. En fait, je vais envoyer des fichiers .java à Madame Malak et c'est elle de vous partager ces fichiers-là. Il fallait juste les ouvrir avec NetBeans et vous auriez tout le code. Vous auriez des fichiers avec l'extension .java. D'accord? Je vais partager d'ailleurs tous les exemples qu'on a fait dès le départ. Je vais envoyer tous les fichiers à Madame Malak. D'accord, merci.
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour participer à la formation d'aujourd'hui. Attention, 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 nous n'avons pas encore terminé. Nous avons encore rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi à 13h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons une chance la semaine prochaine ou encore après 1h30 avec le marketing digital ou encore avec le cours déplacé de Dr Sakina. Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access, l'avant-dernière cours de la formation. Ou encore avec un cours 365 pour les utilisateurs finaux. Vous avez également préparation à l'examen du DELF-DALF. Vous avez les meilleures pratiques de la communication efficace et engageante. Vous avez également découvert les librairies Printemps pour la data science, Printemps pour machine learning, gestion de la performance stratégique et plein d'autres activités qui viendront. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir à tous, à vous tous et à une prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir.